Bon bah alors, papou, tu vois quelque chose dans ta loupe, là? Un instant, Mousse. Faut le temps que je règle ma super loupe à miroir convexe. Elle est capricieuse. Elle est d'une sensibilité. C'est quoi? T'es trop petite pour comprendre. Laisse tomber, Sorette. C'est vraiment trop compliqué pour toi. Si tu crois que t'es pas compris... Ouah! Ça y est, j'ai ce qui m'intéresse. Plus de temps perdu. Oh. Et en un éclair, je pourrais être au village ou à la pêche. Oh. C'est fantastiquement génial! Fais voir, s'il te plaît. Attends, mon petit. C'est de la haute précision. Alors voyons, un rond, un autre rond, et puis un truc. Ouah, c'est quoi? Bon, écoutez les enfants, je crois que vous feriez mieux d'y aller. Sinon, vous allez arriver trop tard à la maison. Et vous savez que vos parents n'aiment pas que vous traîniez sur le chemin du retour. Vous n'avez qu'à repasser demain, après l'école. Ouais, d'accord. Demain, on sera là. À demain, papou. Et travaille pas trop tard sur ta machine. C'est ça. Allez, filez, hein. Et ne traînez pas en chemin. Cool. On va bien s'éclater. Allez! Ben moi, je pense que c'est pas une bonne idée de fabriquer cet engin. Mais je sais ce que je vais faire pour papou. Je vais faire un beau dessin pour lui expliquer mon idée. Il pourra s'en servir pour utiliser son invention comme il faut. Je sais que ça va lui plaire. Une idée pour papou. Tu crois vraiment que tu vas lui apprendre quelque chose? T'es vraiment drôle, toi, alors. Je te dis que t'es trop petite, Prune. Et toi, t'es trop grand pour comprendre. Fais ça. Papou, à table! La purée d'escargot va être froide! Oui, j'arrive, ma douce! J'ai presque fini! Au fait, t'as eu le temps de faire ton dessin pour papou? Parce que c'est pas facile avec tous ces devoirs qu'on avait à faire! Moi, j'ai presque tout fini, tu sais. Il me reste plus que la récitation sur le crapaud pouilli. Mais ça va, c'est trop fastoche. Tu pourras me prêter tes devoirs? C'est juste pour voir si t'as tout bien fait, bien sûr. Et puis quoi encore? T'es fou, toi! Eh oh, les enfants! Hein? Je suis là! Papou! Elle est belle! Et encore, vous n'avez rien vu! Papou, j'ai fait un petit dessin pour toi! T'as vu ça? C'est du tonnerre! Oh. Attention! À fond les ballons! Du tonnerre! Ça sent mauvais! Allez, viens! On va prendre un raccourci! Tu vois? On est presque arrivé avant lui! Bah, elle sert à rien, sa machine, si on va plus vite à pied! Tu comprends vraiment rien, toi! Asmodel, ma douce, regarde! À partir d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il m'a encore inventé, ce vieux brigand? Sur ma motoroulette! Yara! Mamie, elle est trop grosse pour aller sur la moto! Tais-toi donc, idiot! Hein? Regarde plutôt là! Oh non, papou n'a pas relevé la passerelle! Oh non! Encore une. Mais qu'est-ce que t'as encore fait, vieux fou? Ma mort. Eh ben, j'en étais sûr. Papou. Bon, allez, ouvre la bouche. Oh non, pas la bave de limace. Non, pas ça, mamie. Allez, avale. Voilà, c'est bien. Et 10 fois dans la journée, hein. Interdiction de se lever demain. T'as bien compris? Bon, et puis moi maintenant, j'ai du linge à nettoyer qui m'attend. Merci, Mamie Foden. De rien, ma chérie. Elle est toute cassée, ta machine, papou. Bah, demain, elle sera comme neuve. Y a pas de souci. Et comme ça, nous pourrons l'essayer ensemble. Ben justement, regarde mon dessin. Je pense que ça va te plaire. Très judicieux. C'est une super idée, Prune, vraiment. Et en plus, elle tombe à point. Ah non, vraiment, c'est très beau. C'est moche, ton truc. Non, c'est toi qui es moche. Hein? Non, c'est toi qui es moche. Et non, c'est toi. C'est toi qui es moche. Toi. Et voilà, elle est réparée. Papou, allez! Qu'est-ce qu'on attend? Tu fais bien attention, papou. Et tu vas pas trop vite et tu regardes où tu vas. C'est promis, ma chérie.
Et je te remercie beaucoup pour cette merveilleuse idée que tu as eue. Papou! Tu es bien ma digne petite fille. Mais tu peux pas mettre de casque avec cet énorme boss. Papou! Regarde! Pas de soucis. Oh! Et hop! Regarde ça! Tu vois, il y a toujours une solution. Ta machine est trop géniale, Papou! Ça va vite! Et encore, t'as rien vu? On peut aller plus vite que les lapins! Dis, mamie, tu crois qu'ils seront prudents? Mais oui! T'inquiète pas!